Et bonjour à tous, c'est Elias et on se retrouve pour un nouvel épisode de ma saison sur FUT sur FIFA 14 Ultimate Team. Et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la Division 9 en ligne que j'ai effectué. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour passer en Division 8 et remporter le titre. Donc je vous le cache pas, j'ai remporté le titre. Et je vais vous présenter les 4 adversaires que j'ai affrontés, avec notamment le premier, avec on voit un peu de Ligue 1 et un peu de bronze, avec notamment en Ligue 1 Zoumana Camara, Benoît Costil, un ancien en Ligue 1 avec Miroslav Plasil, Christophe Jallet, Alexandre Lacazette et Romain Mouma. On commence tout de suite avec cette première action de ce match, avec un corner de Nathan Smith. Il tire de son pied gauche et ça arrive sur la tête de Christian Jollet. Regardez, tête décroisée de Jollet, avec malgré son petit gabarit, j'ai envie de dire, et frappe enchaînée de Ismaël Demontagnac, avec une frappe pure, mais ça passe de peu à côté. Ici, nouvelle occasion avec McGlashan qui va tirer un coup franc, on va dire, de 40 mètres. Il trouve la tête de Luke Wilkinson, Paul Calvé qui réussit à l'arrêter, et ça sort en corner. Corner à suivre maintenant avec Nathan Smith qui va utiliser son pied gauche pour la tête de Christian Pierce. Christian Pierce de la tête, tête décroisée, et ça fait 1-0. Voilà pourquoi j'aime bien Christian Pierce, pour son magnifique jeu de tête. Malgré sa carte bronze, il a un très bon jeu de tête et c'est son gabarit qui l'aide pour ramasser ses ballons de la tête. Ensuite, nouvelle action avec la réaction de l'adversaire, notamment une grosse bévue de Nathan Smith qui la passe pour Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette qui va revenir sur lui-même, centré pour Jevtic et Jack Cole qui réussit à l'arrêter. Nouvelle action avec ici, voilà, McCartan qui passe pour McGlashan et McGlashan qui va se faire plaisir, regardez. Voilà, avec un Ronaldo Chop. Il va revenir sur son pied gauche, fin de frappe, pied gauche. Et ça fait le but du 2-0. Voilà. On voit l'étendue des 3 étoiles de gestes, des 3 étoiles de mauvais pied, pardon, et des 4 étoiles de gestes techniques de McGlashan. Et voilà ce que ça donne pour 200 crédits. Ici, la tête, le centre de Desmontagnac qui n'a trouvé personne. Et la frappe de Sarcombe qui trouve un défenseur. Corner à suivre maintenant avec Nathan Smith qui va le frapper, ce corner. Christian Pierce encore de la tête, pardon. McCartan qui va faire un centre. Christian Jollet qui a tenté une remise de la tête. Luke Wilkinson qui s'y prend à deux fois pour marquer le but du 3-0. Luke Wilkinson était là, il a traîné juste après ce corner. Voilà. Il est là à la récupération de ce ballon, regardez. Voilà, le ralenti n'est pas passé. Et ici, McGlashan, encore une fois, avec ses 4 étoiles de geste technique, regardez, un arc-en-ciel avancé, il est fou, il se permet ça. Et une frappe du pied gauche, 3 étoiles, 2 mauvais pieds, je le rappelle, et 4 étoiles de geste technique. Et voilà ce que ça donne encore une fois, pour 200 crédits en carte bronze. Voilà, l'économie à l'état pur, dans cette action j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas beaucoup d'adversité, faut pas se le cacher. Mais voilà, ici avec Akridge qui essaie de déborder, regardez qui est là, à l'interception, c'est McGlashan encore une fois. Là je vante les mérites de McGlashan parce que avec son 89 de vitesse, si je ne m'abuse, voilà ce qui se permet de faire, regarder sans commentaire, extérieur, hop, je passe, je continue mon débordement, un stop and turn, mais je perds le ballon parce que j'ai été trop gourmand. Voilà, je vous montre cette action parce que tout l'étendue des 4 étoiles de geste technique encore une fois de McGlashan, Ronaldo Chop, ça continue, fin de frappe, il continue, personne la merde, donc il continue, double contact, là il perd le ballon, mais Christian Jollet en bon gaucher va se charger de terminer avec le pied droit, et ça fait 4-0 il me semble. Voilà, regardez, le but du chaos, comme le dit Hervé Matou, en bon gaucher, il enroule du pied droit, c'est fantastique, c'est magnifique. Et 5-0, je me suis trompé, et voilà, l'adversaire qui va dégager, et je vous laisse deviner ce qui va se passer ensuite. Un rage quit, effectivement. Donc voilà, 5-0 pour le premier match. Regardez en détail du match, 12 tirs, 10 cadrés, avec 5 buts, et 2 victoires consécutives, avec notamment la première victoire que je vous ai montrée avec la vidéo de présentation de la D4 anglaise. Ici, il manque un contrat pour Michael Smith, donc on va lui mettre un petit contrat bronze. Toujours en bronze, je le répète, toujours en bronze pour toujours être économe. Et on va affronter notre deuxième adversaire qui est Gigi City Gang. Donc on peut le voir avec n'importe quoi comme qui vous le voyez. Du DC en DG, du AD en DC, du MG en MD, voilà, du AG en BU, bref c'est du n'importe quoi. 39 de collectif pour 64 de notes, c'est du n'importe quoi. Bon, l'adversaire je pense qu'il y peut rien puisqu'il commence fut. Donc voilà. Il n'y peut rien, c'est pas grave. On va essayer de faire une troisième victoire. Avec notamment première action, regardez. Christian Jollet du pied gauche.
qui tente de marquer son premier but dans cette division, du moins dans ce match. Ici, une nouvelle action avec une bévue de mon adversaire, double talonnade de Christian Jolet et frappe du pied droit enchaîné. Je rappelle qu'il est gaucher, Christian Jolet, et ça fait 1-0. Il était là pour une première action, au bout de sa deuxième occasion, il réussit à la mettre au fond, avec notamment 4 étoiles de gestes techniques lui aussi, tout comme Maglachan. Regardez, toute l'étendue de ces 4 étoiles de gestes techniques, double talonnade, il enchaîne, frappe du pied gauche, voilà, comme chez lui, à la maison, pépère. À la mi-temps, 1-0. Bon, il n'y avait pas trop d'occasion, même si la frappe, voilà, regardez, 3 tirs, un but pour moi, et lui n'a pas eu un peu d'occasion encore une fois. Ici pour la deuxième mi-temps, Michael Smith qui se permet un râteau pour l'autre Smith, qui la décale pour Christian Jolet. Christian Jolet qui laisse passer entre ses jambes. Ici on peut voir, voilà, Christian Jolet à l'interception, une frappe contrée, et McCartan qui se permet de mettre le deuxième but de ce match. Donc 2-0, regardez, avec une erreur, on va dire, de ma part et de mon adversaire. J'ai de la chance, le collectif est avec moi, donc ça fait 2-0. Ici, vers la fin du match, une frappe pure de Ishmael Desmontagnac de son mauvais pied. Et voilà ce que ça donne, une frappe, coup de pied extérieur. On peut le voir que la frappe, on va dire, il a un peu ripé sa frappe, mais bon, avec la chance, regardez, pleine lucarne, pleine lunette, c'est fantastique. Ici, 3-0 de ce deuxième match. Il y avait peu d'occasions ce match, un match très serré, on va dire, malgré son n'importe quoi en collectif de la part de mon adversaire. Il était là, et c'était un match très très serré, même si bon, au niveau du score, c'est pas vraiment ça, bon, serré. Je dis en détail du match, regardez, 9 tirs, 8 cadrés, possession du ballon, et pour moi, mais je veux dire, c'était, on va dire, c'était serré dans la bataille du milieu de terrain, on va dire. Voilà, 9 points, 3 victoires, 3 matchs, c'est parfait. On va enchaîner pour le troisième match de ce résumé et tenter de jouer la montée en division 8 avec notamment Astley Coles, nouvel adversaire. Qui on peut le voir là, a une équipe mieux structurée, on va dire. Le gars a cherché à avoir un maximum de collectifs avec les joueurs qu'il a. Donc voilà, on peut voir un BU du Shakhtar Donetsk, un DG de l'Athletic Bilbao et des MDC de Ligue d'Arabie Saoudite. Un joueur d'Offenheim, il me semble. Voilà, un point pour assurer la montée, comme le dit Franck Sauzet. Et c'est parti avec cette première occasion. Avec Jolet qui se permet un arc-en-ciel et qui va tenter de frapper, mais dans ses sarcombes, enroulé des sarcombes, et ça passe à côté pour cette première frappe de ce match. Deuxième action, regardez, avec Davis qui décale pour Jolet. Jolet pour Desmontagnac. Desmontagnac qui va prendre de vitesse Thompson. Centre de Desmontagnac pour la tête de McCartan. Et ça fait 1-0. C'est pas mal. Desmontagnac qui déborde avec sa grâce en 88 de vitesse. Et Desmontagnac, tout en décontraction, réussit à mettre ce premier but de la tête. Il a le gabarit pour les mettre, McCartan. Regardez. Il dépose le ballon sur la tête. Et ça fait 2-0. Ici, une nouvelle action avec un corner de Nathan Smith. Et Christian Jolet. Regardez, voilà. Regardez ici à gauche le joueur qui se bloque. Je sais pas si vous le voyez. À gauche, le joueur s'est bloqué derrière la cage. Et je laisse cette action. Et regardez sur le radar en bas, le joueur est toujours bloqué. Ça, c'est un bug qui m'a fait rager. Regardez, nouvelle. Plus tard dans l'action, on va dire j'ai coupé la suite. Regardez, le joueur est toujours bloqué. Il est toujours bloqué. Moi, tandis que je vais essayer de construire mon action, voilà. Et là, je la perds, je la regagne, je la perds, je regagne. C'est stérile au milieu de terrain. J'essaie de bien faire tourner le ballon pour faire monter. Regardez, on va voir. Je vois que le joueur ne se débloque pas, donc du coup je perds le ballon, ça m'a déstabilisé. Thiago Neves qui me fait un petit peu des beaux crochets, mais bon, ça marche pas. Ici, on voit Newell pour Thompson. Thompson qui écarte avec Souleux, donc le décès de son équipe. J'imagine que c'est le gars d'Offenheim. Newell qui récupère. Voilà, ça joue bien, ça fait tourner, ça conserve le ballon, regardez. Et regardez, toujours sur le radar, mon joueur est toujours bloqué. Hein. Et voilà, but. Bon, ça c'est un bug. Encore inédit, je pense, personne ne l'a vu. Après le bug de la touche, voici le bug du joueur qui se bloque derrière la cage. Et voilà, c'est l'attaquant du Shakhtar Donetsk, Luis Andriano, j'avais oublié son nom, qui réussit, on va dire, à marquer en infériorité numérique pour ma part, puisqu'on va dire que le joueur a été exclu. Là, je choisis de faire tirer Ishmael Desmontagnac sur le corner, sur cette action. Christian Pierce de la tête encore une fois, et ça passe au-dessus. Là, on a pu voir encore tout l'étendue du jeu de tête de Christian Pierce sur cette action.
Là, on peut le voir, ma domination nette, mis à part ce petit bug là qui a permis l'égalisation de Luis Adriano pour mon adversaire. Mais bon, je m'en plains pas, c'est pas grave. Je sais que je vais remporter ce match parce que j'ai la domination nette. Là, ici, décalage de Christian Jolie pour Davis. Et Davis, moi je dirais que Davis, c'est quelqu'un qui tire beaucoup. Et quand il tire, ça fait toujours mouche. Là, on peut le voir ici sur cette action, la 56e minute de jeu. Sur ce troisième match, regardez. Le décalage de Jolie et Christian Pierce, un frappe en force qui réussit à marquer le but du 3-0. Ici, fin du match, on peut voir. Voilà, 2-1, pardon. Oh là là, je suis vraiment à l'ouest en ce moment, je suis désolé. Et voilà, on a vu effectivement l'égalisation de Luis Adriano, le but de la tête de McCartan et la frappe en force de Davis. Donc voilà, on peut voir ici que sur ce troisième match, j'ai pu gagner le match de la montée. Je vous laisse regarder ici, avec 487 crédits totaux, grâce au but marqué, au but encaissé aussi. Les détails du match qui sont là, voilà, ça c'était plutôt un match équilibré. Il y avait de l'adversité, avec des occasions de part et d'autre, même si j'ai eu toujours une domination. Et ici, on va tenter de remporter le titre. Il manque plus qu'un point. Donc, on va jouer la victoire. Hein. On va jouer la victoire jusqu'au bout. Et tenter d'avoir une série de 5 victoires. Avec notamment le 4e match dans ce résumé. Avec, voilà, ici, j'ai alterné avec la Ligue 2. Puisque mon équipe de D4 anglaise affaiblit en termes de forme. Donc, logique, on va alterner avec la Ligue 2 bronze. Ici, on joue contre Gladiator FC. Avec là aussi une équipe, on va dire, hybride. Avec pas beaucoup de collectifs, 48 de collectifs, avec ici un milieu droit de la Berrichonne, des DC de partout dans la ligne de 4 défensifs, pas de latéral, on sait pas pourquoi, un gardien coréen, un DC ukrainien, voilà, c'est un petit peu le bordel, je sais pas comment vous décrire cette équipe, et c'est parti pour le match, avec dès l'engagement, une occasion, avec Maxime Bourgeois qui tente de déborder, voilà, il s'appuie sur Ibrahima Diallo qui fait un débordement contre-favorable de Maxime Bourgeois qui continue le débordement sur le côté gauche. Il va s'appliquer sur le centre et Mamadou Diallo de la tête pour la première occasion. Ici, deuxième occasion, toujours sur le côté gauche avec Bourgeois qui s'appuie sur Diaby. Bourgeois encore qui s'appuie sur Gueye. Gueye qui va lancer Bourgeois en profondeur. Bourgeois qui va encore s'appliquer sur ce centre. Et je vous laisse deviner, Mamadou Diallo pour le but du 1-0. Donc d'entrée de jeu, dès la deuxième occasion, Mamadou Diallo qui veut, qui affiche la couleur d'entrée, il veut être champion, il veut avoir le titre de Division 9. Et on peut le voir sur cette action pleine de conviction, regardez le centre de Maxime Bourgeois, avec Maxime Bourgeois qui m'étonne encore, avec toujours son très bon pied gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le précédent résumé de la Division 10, un très bon pied gauche. Ici Mamadou Diallo, au débordement, il fait un crochet, il frappe du pied gauche, il a bien tenté sa chance, mais le gardien était là, le gardien coréen était là. Il n'a pas faibli sur cette frappe du mauvais pied de Mamadou Diallo. Voilà, ça suit un corner qui n'a rien donné. On va enchaîner avec la nouvelle occasion pour mon adversaire. On voit un Sinclair. Il me semble que c'est Scott Sinclair. Hein, je ne sais pas si c'est une bêtise. Qui décale pour Van Heno. Et Van Heno, pardon, qui réussit à marquer. Qui te fait une célébration à la Fernando Torres. Voilà, c'est pas bien grave. Il y a l'égalisation. Mais voilà, on a juste besoin d'un point pour être champion de Division 9. C'est pas un souci, pas grave. Voilà, regardez, placé. Et voilà. Décalage de Danfa pour Rodriguez, le joueur d'Arles Avignon qui va tenter de faire un débordement. Il va faire une fin de centre. Il va revenir du pied. Il va revenir sur son pied gauche. Il va centrer le pied gauche. Et Mamadou Diallo. Mamadou Diallo qui réussit à marquer un deuxième but de la tête. Et je dis des conneries, c'est pas du pied gauche qu'il a marqué Rodriguez, mais du pied droit. Voilà, je m'emmène un petit peu les pinceaux avec toutes ces actions qui s'enchaînent. Regardez, centre du pied droit et la tête encore de Diallo. Il faut toujours centrer en 4-4-2, ça c'est certain, pour avoir beaucoup de buts de la tête. Voilà, et j'ai réussi à vous le montrer sur ce résumé. Donc on le voit en détail du match, j'ai la possession du ballon et une domination nette dans les occasions avec 5 tirs et 4 cadrés. Ici, un centre de Diaby pour Diallo. Diallo qui joue avec son corps et qui passe, qui réussit à passer et ça fait la frappe du pied gauche et triplé de Mamadou Diallo. Un but de la tête, un deuxième but de la tête et une frappe du pied gauche qui s'est, regardez, avec son corps, il a bien protégé le ballon, il réussit à envoyer le défenseur dans le vent et frappe du pied gauche qui réussit à tromper le gardien coréen. Ici un changement pour mon adversaire, double changement, voilà. 3-1 au tableau d'affichage. Ici une nouvelle action, regardez, avec Gâteau qui décale pour Elliott.
Elliot qui est un joueur frais, qui va décaler pour un deuxième joueur frais qui est Gatto. Gatto qui réussit à frapper, mais qui ne réussit pas à marquer. Ici, suite à cette action, je fais un dégagement pour la dégager à Métanir. Métanir qui perd le ballon, un dégagement foireux. Montratou, qui réussit à intercepter. Elliot qui joue avec Chamed. Chamed la frappe, qui compte favorable. Il réussit encore à frapper le but vide. Et Chamed qui réussit à marquer le but du 3-2 pour mon adversaire. Mais malheureusement pour lui, ça va s'arrêter là. Et moi, j'aurais remporté les 3 points pour être sacré champion de Division 9 en ligne. Avec notamment un magnifique triplé de Mamadou Diallo. Doublé de la tête et un but du pied gauche. Magnifique saison de ma part. Voilà, il n'y a pas trop d'adversité en ce moment. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et cette prochaine vidéo, on va essayer de se retrouver avec une prochaine division avec plus d'adversité. Et on va voir ce que je pourrais vous proposer par la suite. Et je vous montrerai la suite en ce qui concerne mon taux de victoire et mon taux de gain de crédit. Voilà, ici on peut voir que j'ai remporté le trophée de Division 9 avec 3000 crédits à la clé. Et c'est pas mal pour 3000 crédits en Division 9. Voilà, c'était Elias. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous aimez cette vidéo et ce résumé, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des critiques et autres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Quant à moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!